Taguer, c'est un métier et tu vas devenir un vrai tagueur avec Gutinap. Yo ! Ouais, je sais, on dit plus. Ah, Fetty me dit dans l'oreillette qu'on ne dit plus yo depuis 1983. Je pense que tu as raison, Fetty. Tu as un scoop peut-être, Fetty, pour nous ? Ouais, Marquis, je te confirme qu'on dit plus yo aujourd'hui. On dit wesh, on dit Vegra, on dit Ziva et encore. Même ça, c'est super ringard. Bon, Marcus, je suis sur le stand Nintendo pour un de mes coups de cœur de cette E3. On reste dans le domaine du tag avec Crash Tag Team Racing. C'est la suite de Crash Team Racing, évidemment, un super jeu de cartes qui est repompé, faut bien le dire, mais avec succès, Super Mario Kart de Nintendo. Alors, vous allez voir que cette fois, ils ont décidé de se débarrasser un peu de l'image de Super Mario Kart parce que ce Crash Team Racing est bourré de mini-jeux et puis aussi, l'esprit est complètement déjanté. Ça va à 100 à l'heure, c'est hyper coloré. Et puis, il y a des trucs complètement fous. On peut s'approcher du kart d'un ennemi et puis le bouffer littéralement et ensuite dégommer ses ennemis. Enfin, c'est vraiment super drôle, on en regarde quelques images. Pour ce nouveau volet de course poursuite infernale dans l'univers de Crash, Vivendi a confié le développement du jeu à Radical Entertainment, sur lequel il mise d'ailleurs beaucoup. Le studio canadien est en effet également en charge de Hulk Ultimate Destruction et de Scarface, rien que ça. Pour ce qui est de Crash Tag Team Racing, nous vous laissons apprécier les images qui parlent d'elles-mêmes. Sortie prévue pour le troisième trimestre 2005. Ben ça y est.